Hello, bonjour, everybody. Okay, you seem so tired. <laughs> okay, okay. Uh, uh, first of all, happy 30th birthday to Kapan. And I'm Yasu Nagahata, the director of programming at the ABU, Asia, Asia Pacific Broadcasting Union. I'm uh, actually a second from NHK. I used to produce. Uh, so many TV and radio programs, uh, mostly entertainment programs. And today I'm here with my old colleague, Mr. Taro Kunimi, uh, the senior producer of NHK Japan. Hello, uh, thank you for the valuable opportunity uh, to introduce our project today. Merci beaucoup. So, uh, actually, uh, you may not know what the ABU is, it's like a EBU, but you know. Uh, we focus on in Asia Pacific. And ABU has many activities uh, through the year. So uh, I'm going to ask uh, Kunimi san to uh, join me uh, to give some presentation. Uh, so, first of all, we'd like to thank Ms. Uh, Caballero and Mr. Capon and Ms. You know, uh, Paola Pari and the entire staff of the COPEN uh, to invite us here, uh, the beautiful city of Montpellier. Although we don't speak any French or any Italian, so I'm so glad that we have an interpreter here. Thank you. So now I can start speaking, you know, whatever I want to say in Japanese. So Sanju You don't speak. Too bad. I tried my English then. Okay, well meaning up. OK. So actually. Uh, okay so actually uh, uh, abu had uh, so many events uh, throughout the year and the last december uh, we had the event called uh, abu media and culture days in bali indonesia and then uh, at this event uh, taro and his colleague introduced nhk's 8k project on japanese cultural heritage which was one of the greatest projects that the abu shared to, to abu members so uh, thanks to my good friend uh, Dr. Dan Santa of Radio Romania, uh, actually, uh, who recommended me to be here this conference, although he prefers attending EBU event today, and I hope he's doing fine wherever he is. Actually, I miss you, Dan. Rest in peace. Yes. Okay, here we go. So, well, now uh, Taro and I are going to go, uh, going to show what the NHK's 8K project is all about. Okay, so you're going to see. So, probably uh, the better resolution on TV. So, key concept of the cultural heritage in 8K project is the on air broadcast is not the goal, it is the start line for the new cultural support efforts. The project team led by Taro has been producing cultural programs at the nhk for over 20 years as the slides suggest the aim was simply to have a program's air of course however with the cultural heritage in 8k project nhk developed a way to fundamentally change tv production so that it becomes a start line for new cultural support efforts NHK produced and broadcast seven episodes of Fresh Encounter with Our Cultural Heritage in 2021 to 2022, as you can see in this slide. They are all 30 minutes long uh, programs. Each episode shows never before seen image of national treasures and important cultural heritage. NHK, in a, a collaboration with the Tokyo National Museum, has launched the 8K Cultural Heritage Project, which used the latest technology to create 3D computer graphics image of cultural treasures. Today, we're gonna explain what is so special about these TV programs, and how we use the program footage of 8K CG after they are broadcasted. So uh, NHK developed new style program materials. Please take a look at this image. This is a mask used in noh theater, Japan's traditional performing art. These program materials were made for the TV programs that introduce appeal of no. When you think of the program material for television, TV, uh, what comes to your mind? Uh, belly flat, two-dimensional image or videos, right? But this is entirely different. Actually, uh, Taro Kunimi has a game controller in his hand today. Can you see this? Yes. Uh, he's not gonna play some video games. Uh, don't worry about that. He can move these uh, programs uh, material with this game controllers. This image ex exceeds 8k resolution. So he can zoom in to the image and check the detail. See? And not only zoom in and out but you can also see this mask from any different angles. Actually, we cannot see the back side of the mask in the museum, but with this comp computer graphics allows us to s see it. You know. So the magnified image is not out of focus at all. So we can check the detail of this mask and you can simply find out that mask is made of wood, to see the materials. This is the moment you say, wow. <laughs> Thank you. <laughs> OK, so uh, because they are, uh, they are computer graphics, uh, we can certainly change the lighting as well. See, the, this are you learning very. Melsey, yeah. <laughs> this no mask is a design designated important cultural properties, and the actual object is placed in the museum display case, so you can touch it or move it in the museum. And basically, you only can see it from the floor, unless you move your body like like this. You have to see it, but with this con wonderful computer graphics. Uh, you don't have to do that, and you can see it from the different angles as you saw it. And spot light, uh, like this, and then tilt it upward. Then uh, you can see the smiling expression. And if you tilt it downward, you can see the sad, ex sad expression appears. So, by, uh, by making it to the computer graphics, uh, we can discover the hidden charms. Uh, that were designed for this mask. So, let us introduce the other 8K computer graphics in another programs. The materials were produced for the programs that introduced scene in and out around the Kyoto. The gold leaf painted folding screen here is de also designated national treasures. This folding screen shows the panorama of Kyoto 400 years ago. Let me ask. Uh, have any of you uh, visited kyoto? oh, there was the two when 400 years ago? i don't think so. so this is the, the kyoto in 400 years ago. and it was painted from bad eye view and depicted more than 2500 people, 2,500 people in total. But because the actual screen is in the again, the museum display case, so you cannot get closer. So it is difficult to see who is actually depicted in the painting. The, actually, the, uh, the actual figures in the painting is just five centimeters tall. Uh, if you went to the museum with the magnifying glass and then tried to study one by one, you would of course Cause a traffic jam, and then somebody's gonna kill you. But you know, with this computer graphics, you don't have to. You know, nobody have to kill you. Then uh, you know, you can approach the painting much easier and discover something interesting that you may not find at the museum with your own eye. You see. Wow. So uh, this holding screen depict the scenes of Kyoto on the day of the Gion Festival. The Gion Festival is the still the most famous festival in Japan. Uh, it's held every summer. So let me check with this street of Kyoto. Okay, let's just zoom in to one of the uh, stores there. Okay, there was the. What are they making? Yeah, there was a, one of the Japanese wonderful fan. By the way, isn't it hot here? So actually, uh, you can see the lady is actually making the fans. You know, that was like a three to five centimeters tall. But you know, mm -hmm. actually, they are just, you know, making this fan. And also, there is th thank you. Okay. Five people. Thanks. Yeah. <laughs> the, uh, actually, yeah. And let me check there with some other stores. That is, uh, you know, if he can find it. So he zoom in and zoom in, zoom in. Yes, there's the what you can say like a beauty palace. You know, there's the lady is, you know, uh try to be much more you know, beautiful. Because he she's uh, trying to get in, inside inside the Kyoto, one of the fashionable city at that time. So, you know, go to the beauty palace, and set the nice here there. By the way, do I look okay today now? That's fine. And also the next to the this beauty power, there was the, the castle. This is uh, called Nijōjo Castle. Uh, Nijōjo Castle uh, built by Tokugawa Ieyasu, the ruler of Japan at that time. Then, let's look at the kitchen. Okay, using 8K computer graphics, we can even see clearly what they are really preparing for the food. You know, so uh, they cook carp and ducks. See. And next to it, the, there was a fish. And uh, you know, if you get cl much closer, we can even tell what kind of the fish it is. Uh, this is actually a carp because uh, the fish had kind of beard, longer beard. So we know there was the carp. So with this 8K, you know, computer graphics, you can find s so detail. You know, you can even find it with your own eyes. So this is one of the example. Now I would like to show you the footage of the TV programs. This is one of the episodes of fresh encounter with our cultural heritage. Did I skip something? Yes, I did. OK. 8K computer graphics are produced in a way that is entirely different from the standard broadcast technologies. So instead of using cameras, video cameras, we use 3D scanning and a technique called photogrammetries. So there was a 3D uh, scanning. and also uh, we took like a thousands of uh, photos. actually, yeah, we took about 500 photographs for this mask. So you get the old data and then put it together. And these technology are available in public, actually. So materials like this you can make it in any uh, countries. Then now I would like to show you a footage of TV programs this is one of the episodes of the fresh encounter with our cultural heritage so, uh, in each episode uh, famous cultural properties are explored by the guest host who examine the object in the studio through the 8k computer graphic just like taro did today so this is the talking scene and then

the actress, Japanese actress. Actually, she's currently living in Paris. So in case if you bump into her, just say hi. Although I never met her. But uh, the thing is, I do know uh, who her father is. Actually, uh, uh, her father is the Oscar nominee Ken Watanabe. Uh, yeah, this is the guy. And I actually interviewed him for the one of the ABU's international conference called ABU TVCon, uh, last year. And he uh, talk about his careers or even private life. And he's really a nice guy, actually. Yes. And uh, speaking of TVCon, actually, Abu Program Department launched a new international media conference called Abu ConFest, which stands for Contents Festival, which puts all three Abu premier events like TVCon, Radio Sonic, uh, aka Radio Asia, and Abu Digital. So it's going to be on five to seventh July in Kuala Lumpur, and we will have producers and media creators from all over the world for presentation, discussion, and workshops on program productions. Please check our ABU website. I'm sorry, I have to do this. I have to do this. Yeah. Okay, go back to the eight K computer uh, graphic things. As I mentioned at the beginning, the project does not end with the broadcast of the programs the 8k computer graphics from the programs becomes the seed for the new cultural support projects uh, here these projects in digest form nhk's advances in technology are creating new ways to explore japanese culture and history a new exhibit at the Tokyo National Museum utilizes a massive 8K screen and high res 3D graphics to bring to life a golden Buddha. Visitors can also interact with ancient relics and look from angles previously not possible. An interactive website designed to spark young, curious minds. Showcases high resolution images of precious artifacts in an approachable storybook format. And finally, researchers have harnessed high resolution scans and 3D modeling to recreate a 600 year old no mask, putting an important cultural asset that was once too fragile to touch back into the hands of performers thank you so much and, uh, so nhk project team together with the museum staff uh, they had a special event at the museum for the first two months of the exhibition the 8k computer graphics are uh, displayed and enlarged on the 10 meter wide led monitors here. it project an uh, image of what was drawn on the folding screen, just like uh, you guys saw. and the purpose of this event was to convey how wonderful the 8k cd really is to visitors who might not have watched the tv programs. of course, it was also a pro. Promote the NHK's TV programs, and I believe uh, I, I suppose every broadcaster is always thinking about how to get the new viewers, how to get the new audience, or how to get the viewers back to the TV these days. So having this kind of the event, what NHK has been doing for to promote its programs and try to reach new audiences. Oh, by the way, uh, 1,800 people, 1,800 people have enjoyed this exhibit. On a daily basis. And in for two months, they had over 90,000 visitors in total. So that was a really successful event. So not only at the museum, but some educational institute also use 8K computer graphics now. A web-based service that allows elementary school students at their classes uh, to use 8K computer graphics of this clay figure. Uh, which was worshipped in japan 3000 years ago in many textbooks uh, this famous historical gray figure is only displayed as a photo which isn't very appealing to the students however with this web service students can move the figure using a mouse like this any angles then uh, the marker pops up when you move to the mouse and giving you the detailed information uh, when you click on it. See? Okay, he click it. You know he doesn't really understand what I'm saying in, in English. That's a problem. Anyway, so uh, actually on this page, uh, uh, you can learn about the different eye shape uh, of the clay figures. With this web service you can observe every part of the body, which you can never do in the museum of course. You can closer to the clay figure, you can either enter inside, and you know if you are lucky, you can even find the many fingerprints from 3000 years ago. So and the Japanese government encouraged the tablets using a tablet in the school nowadays. But there is a shortage of the uh, digital content. Therefore, this popular service is accessed 10,000 times a week. So kids kind of love this. So I'm so sure this, the service encouraged them to study more. Uh, imagine how happy they will be uh, if we can, we give them a game controller at school. You know, usually parents always tell them not to play games so much at homes but sooner or later kids gonna play with the playstation controller at his their schools i wish i you know my time is like this but uh, and then also uh, not only the elementary school kids uh, learn 8k cg but universal student, uh, university students use 8k cg to study the statue as well Though, so final example of this uh, digital content uh, is the 8K computer graphics of the national treasure, a Buddhist statue known as Kuse Kanon? The Kuse Kanno is considered one of the most beautiful of Japan's ancient carved wood st statue, but it is rarely shown in public uh, because it is so old and so fragile. So it has not been studied farther enough, unfortunately. In this class, uh, the student, the university student on the left, is using the game controller to move the statue to the position that exactly match another uh, statue from the same era, which will uh, appears on the smaller screens on the left. So now they can compare the two statues easily. So students at the universe, uh, elementary school, and college are learning something with the 8K computer graphics now so uh, these are examples of nhk's cultural support activity with 8k technologies. i believe broadcast media can be used to convey the fascination of a cultural heritage in a way that supports museum display. and it may be much more fun than actually visiting a museum. so uh, now you can see how 8k is useful for other than broadcasting. So to be honest, 8K is not the popular broadcast technology at this moment. You know uh, none of my friends even has an 8K TV at their home, but, but HD and 3D TV and 4K and 8K, I'm very happy with the you know, improvement of technology in the broadcasting uh, industry. But I believe that the most important thing in media is the content, and without any content. Uh, we cannot benefit from recent technologies like this. and also, in addition, we must consider the new ways of using broadcasting contents from the perspective of the sdgs. so how can broadcast programs or material be used for the educational or entertainment? i admire how taro and his team is doing at the nhk and using their great technology such as 8k not only for the broadcasting, but also for the education or and cultural pre uh, preservations. so uh, at the closing, regardless of whether your organization used the 8k or not, we hope that our presentation will give you a new idea for creating something new in the future. so thank you so much for your time, and thank you so much for your great being a great audience. <laughs> and then, uh, Taro and I are hanging around somewhere here, so if you want to try uh, playing the game controller uh, during the lunch break, we welcome you to do, do that. And I'm pretty sure every single person uh, here is ask have some kind of question, but I know you guys are very hungry, so let's just <laughs> grab us sometimes and break, and then you can ask so many questions. But I cannot promise that I, I'll be able to answer each question, but uh, you know anyway, thank you so much. Uh, Melsi Boku and Obo. Est-ce que le micro marche Merci beaucoup. Nous allons accueillir Erwan Gaucher, directeur adjoint des antennes et de l'éditorial de Radio France. Erwan, euh, je vais tutoyer, parce qu'on se connaît. <laughs> euh, tu vas pouvoir nous brosser euh, un peu la situation, les évolutions des différentes chaînes au sein de Radio France dans cette culture digitale, et puis la transformation euh, qu'elles ont toutes opérée, notamment avec ces nouvelles écritures. Avec des exemples très concrets. parce que ça a été un énorme chantier avec beaucoup, beaucoup d'exemples Merci. Hi everyone, it's a great pleasure to be with you today. And uh, don't worry, I will continue in French. Believe me, it will be better for everyone. Et je vais faire un peu vite parce que je sais que vous avez faim et, euh, et qu'on a pris un petit peu de retard. Je vais essayer d'accélérer. Alors, en effet, euh, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ces nouvelles écritures, de ces nouveaux formats. Est ce nouveau format. Est-ce qu'on peut peut-être mettre euh, la présentation euh, à l'écran et puis essayer de vous décrire rapidement, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais je vais faire beaucoup plus vite que ça, euh, comment Radio France travaille sur ces nouveaux formats et ces nouvelles écritures. Avec déjà une première chose à avoir en tête, un constat, c'est que proposer de nouveaux formats, proposer de nouvelles écritures, ça n'est pas de la recherche pendant 5 ou 10 ans. ans. C'est une nécessité, une impérieuse nécessité pour aujourd'hui. Depuis quelques années, la radio reste un média très puissant, sans doute un des médias les plus puissants en France, mais c'est un média qui, comme tous les autres, connaît une érosion. C'est un média qui est moins écouté, qui est en train de connaître ce qu'a connu la presse écrite il y a 20 ans, ce qu'a connu la télé il y a 10 ans. Euh, on voit bien, alors évidemment, euh, la chute paraît importante, mais les points sont assez resserrés. Ça reste très important. Vous voyez qu'on est à plus de 60% de la population en France qui écoute toujours la radio. Mais chez les plus jeunes, ça baisse beaucoup plus. Les plus jeunes n'écoutent presque plus la radio, en tout cas pas la radio telle qu'on la faisait, pas la radio telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la radio linéaire en direct. Donc quand on parle de travailler euh, ces, ces, ces nouveaux formats, ça n'est pas de l'avenir, c'est déjà du présent. On a déjà besoin d'aller travailler ces nouvelles écritures et ces nouveaux formats pour continuer de leur parler. Euh, la mutation a déjà eu lieu et d'ailleurs on le voit quand on regarde nos chiffres actuels. En 2022, on est déjà beaucoup consommé Radio France sur de nouveaux formats. En 2022, on a 3 milliards d'écoutes numériques sur Radio France, 1 milliard en stream, donc l'audio en direct, qui n'est que la traduction sur de nouvelles plateformes de ce qu'on fait sur nos antennes, mais on est aussi écouté 1 milliard de fois en podcast, et plus on travaille dessus, plus on sait qu'un podcast, ça n'est pas juste le direct disponible plus tard, c'est bien plus que ça, et on a été aussi écouté 1 milliard de fois en vidéo. La petite image de l'interview de Robert Badinter hier matin sur France Inter, c'en est la preuve, on doit aussi faire en... Radio, de la vidéo, et c'est difficile parce que ça n'est pas notre métier d'origine, ça n'est pas comme ça que l'industrie d'une radio a été conçue, et donc il faut pouvoir aller sur tous ces nouveaux formats. Et ces nouveaux usages qui nous demandent d'y aller n'arrêtent pas de monter. Là, pour le coup, les courbes sont impressionnantes, que ce soit de l'écoute en podcast, de l'écoute en direct ou de l'écoute sur nos vidéos. Ça explose, ça continue d'exploser. Alors on voit des petits décrochages, par exemple sur la vidéo, et c'est toujours un point à noter. Ces petits décrochages, généralement, ils sont euh, le, le, la preuve d'un changement d'algorithme d'une des plateformes dont on va parler. Ça, c'est Facebook. Quand Facebook change son algorithme, on le sent tout de suite. Notre boulot, c'est de comprendre ce que Facebook change comprendre ce que les plateformes changent, comment elles ont modifié leur façon de fonctionner et de pouvoir y répondre avec de nouveaux formats et de nouvelles écritures. Nouvelles écritures pardon. En moyenne, le numérique aujourd'hui représente 25% des écoutes à Radio France. Pour certaines chaînes comme FIP, ça va jusqu'à plus, enfin quasiment 50%. Donc être capable de proposer des formats de nouvelles écritures, de nouveaux formats qui collent à ces nouveaux usages, c'est absolument, mais vraiment impérieusement nécessaire, maintenant et pour très très longtemps encore. Les années précédentes, nous avions mis en place à Radio France une première phase de stratégie qu'on avait appelée la stratégie d'hyper radio. En gros, c'était rendre nos radios disponibles sur un maximum d'endroits. Donc ça ne créait pas beaucoup de nouveaux formats, ça mettait simplement tout ce qu'on savait faire disponible un peu partout. Ça a très bien marché et le but du jeu, c'était même de la rendre disponible à ceux qui ne la cherchaient pas. Maintenant, nous passons à une deuxième phase. Depuis 2021, nous sommes sur une stratégie 1 un, de plateformisation. Ça n'est pas juste pour le plaisir de dire qu'on a une plateforme, c'est parce que les plateformes sont en train de profondément modifier les usages de ceux qui passent leur temps sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon, j'y reviendrai, et qu'on doit s'en inspirer, les adopter pour nous-mêmes être le plus efficace possible. Euh, ça, cette, cette stratégie a aussi pour but de reprendre notre souveraineté numérique. On ne doit pas dépendre à ce point justement. Quand on est une radio, d'Apple Podcast, euh, d'Amazon ou de Spotify, évidemment, on doit essayer de s'en servir pour aller toucher les publics, mais on ne doit pas dépendre à ce point d'eux. Ça peut trop vite changer, ça peut trop avoir d'implications. Il faut qu'on soit le plus souverain possible. Et de nouveaux formats, je reviens dessus pour évidemment aller convaincre nos publics. Alors. Évidemment, vous allez me dire, il manque Facebook, il manque Twitter. Oui, mais ça, c'est déjà plus des nouveaux formats Facebook et Twitter. C'est des formats qui sont là depuis 10, 15 ans. Euh, on travaille aujourd'hui. Pour comprendre et pour essayer d'avoir les meilleures écritures, d'adopter les codes et les grammaires des plateformes nouvelles, que sont Twitch, que sont TikTok, que sont Snap, que sont les Reels, on en parlait tout à l'heure. Les Reels, maintenant, c'est évidemment sur Insta, mais c'est aussi sur TikTok, mais c'est aussi sur YouTube. Euh, et quand on a une chaîne, par exemple, comme France Inter, qui est très puissante sur YouTube, euh, quand YouTube décide d'aller faire la course aux Reels avec Instagram et TikTok en mettant de la vidéo verticale, il faut repenser la façon dont on propose, pas forcément tout, mais en tout cas pouvoir s'adapter à ça. Il va donc falloir, pour ça, multiplier vraiment les essais. Euh, il va falloir travailler sur TikTok, sur Snap. Je le disais, ce sont des codes et des grammaires très particulières. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les autres intervenants. Euh, quand on travaille sur TikTok, on a à peu près deux secondes pour attraper l'attention de ceux qui l'utilisent. C'est dramatiquement court. On peut le regretter, je le regrette. Je n'interdis pas l'utilisation de TikTok à mes enfants pour rien, mais je sais que c'est comme ça. On a deux secondes pour les attraper. Ça veut dire qu'on ne prépare pas des, des écritures, on ne fait pas des intros comme on en faisait à la télévision. Le. J'allais dire, le mauvais réflexe, c'est de se dire c'est de la vidéo, donc je prends les codes de la télé. Non, la vidéo n'a plus rien à voir avec la télé pour le coup. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait à la télé n'est pas bien, c'est que ce qu'on fait à la télé colle à la télé et ne va pas sur les plateformes sociales. On a deux secondes pour attraper, ça veut dire qu'on entre immédiatement dans le cœur du sujet, qu'on doit avoir, comme on disait en presse écrite où j'ai commencé, une attaque qui absorbe... Tout de suite celui qui la regarde. Et puis on fait des vidéos quand on est sur TikTok qui tournent sur elle-même. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup TikTok. Ça c'est quelque chose auquel il faut s'astreindre hein. quand on veut travailler des formats sur ces plateformes-là. Il faut, il faut y passer du temps. Il faut bouffer du TikTok. Il faut bouffer du Snapchat. C'est pas toujours euh, facile, notamment quand on arrive euh, à mon grand âge de 45 ans. Je ne suis pas la cible de TikTok. Ce que je vois sur TikTok ne m'intéresse pas. J'allais même dire si je pousse. Le, le bouchon un peu loin, ce que nous faisons sur TikTok ne me plaît pas. Mais tant mieux parce que je ne suis pas la cible. Ce n'est pas à moi qu'on s'adresse, euh, manager de 45 ans, quand on fait du TikTok, ce n'est pas à moi que ça doit plaire. C'est plutôt euh, la, à, à, à ceux qui l'utilisent et donc adopter leur grammaire. Et bien sûr, TikTok, si vous y allez, vous allez vous rendre compte que les vidéos tournent sur elles-mêmes. Vous allez vous rendre compte que vous êtes revenu à la vidéo sans même tout à fait forcément avoir vu qu'on était revenu à la vidéo. C'est au bout de quelques secondes... Bah, c'est le début. Je n'avais pas vu qu'on était revenu. Ça veut dire qu'il faut penser votre vidéo comme une boucle et pas comme une vidéo avec un début et une fin. Tout ça, c'est des choses qui, quand on le lit, paraissent presque, j'allais dire, un petit peu anecdotique, mais c'est absolument nécessaire de le comprendre et de le mettre en place, parce que si votre vidéo est vue plusieurs fois en moyenne parce que la boucle pousse l'utilisateur à revoir le début, vous allez envoyer le signal algorithme que votre vidéo est très aimée, puisqu'on la regarde plusieurs fois, et donc l'algorithme de TikTok va vous mettre plus en avant qu'elle ne le ferait autrement. Ça fonctionne aussi comme ça. C'est Étrange, c'est pas ce à quoi on est habitué quand on est journaliste, quand on est directeur de programme, mais c'est absolument nécessaire. Quand on va sur Snapchat, vous le voyez, c'est celui du le deuxième en partant en haut à gauche, s'appelle Punch. Punch, c'est tout simplement les humoristes, les chroniques d'humoristes de France Inter. Alors là, on ne re refilme pas quelque chose, on pourrait, mais on prend ce qu'on fait déjà pour de la radio filmée, ce qu'on met sur YouTube, mais on va aller travailler les codes graphiques. Et sur Snapchat, on fait du motion design, il y a des dessins qui apparaissent, il y a des punch comme ça qui vont, qui vont sortir il y a des, il y, a des euh, il y a vraiment un travail graphique particulier qui est la grammaire de Snapchat cette grammaire il faut la comprendre ça veut dire aussi tout simplement que quand on est Radio France et quand on veut aller sur Snapchat, il faut trouver des motion designers. Ben ça, c'est des métiers qu'on n'avait pas à Radio France, des motion designers. Et il faut des motion designers qui savent faire du dessin pour aller sur Snapchat, mais qui, serait sur le gâteau, si possible, comprennent qu de quoi on parle dedans. Donc pas simplement des petits experts qu'on met de leur côté, mais qui vont travailler avec les équipes des émissions pour comprendre ce qui se fait. Euh, on doit faire tout ça en conservant, c'est évidemment extrêmement important, une ligne de crête. Très particulière. On doit adopter ces codes tout en restant nous-mêmes. Il ne faut pas essayer d'imiter ce qui fait le succès de ces, de ces, de ces plateformes. C'est-à-dire, il ne faut pas changer le contenu. Nous ne serons jamais, nous médias traditionnels, euh, des blockbusters absolus sur Snapchat ou sur TikTok. Ça n'est pas le but. Il faut qu'on y soit pour y être vu, entendu rentrer dans l'esprit des jeunes qui regardent ça parce que c'est vrai que ce sont plutôt des jeunes en adoptant leur code. Le premier, euh, la première vidéo qui est en train de défiler, je vous ai pas mis le son parce que sinon c'est un petit peu compliqué de parler dessus. Bah c'est le but du jeu, c'est d'être, c'est d'adopter ce code que l'on voit énormément sur les réseaux et notamment sur YouTube parce que là c'est un, un, une vidéo assez longue, d'être avec eux sur le terrain. On n'est pas en train de filmer en surplomb. Vous avez vu au début le journaliste, il est avec sa petite caméra, presque son iPhone, et il est au milieu des touristes qui vont voir le glacier avec eux. Il n'est pas sur un plateau, il n'a pas un très beau décor derrière, il n'y a pas quatre caméras, un preneur de son, euh, un directeur de programme qui regarde, on est avec eux parce que c'est ça qui fonctionne, c'est comme ça qu'on leur parle. Sinon, ils se sentent mis un peu euh, à l'écart, repoussés, et on n'accroche pas leur attention. Ça va être euh, de proposer, c'est la deuxième vidéo, oui, ça marche, des vidéos mute. C'est un comble, on le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui dans les intervenants le disait, euh, la plupart des utilisateurs ne mettent pas le son de la vidéo. Euh, parce que généralement, d'ailleurs, ils sont en train de, de la regarder, cette vidéo, en mobilité, et que beaucoup ne mettent pas le son, parce qu'on ne on, 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 on met pas le son, par exemple, dans le bus. Bon. Donc on en est quand même à quelque chose de très étonnant, c'est que nous, radio, produisons des vidéos dans lesquelles il ne doit pas y avoir besoin du son pour qu'elles soient comprises. Vous voyez bien, évidemment, le chemin qu'il y a à faire avec les équipes. Alors là encore, on pourrait aller chercher 20 spécialistes de ça et qui nous abattent des vidéos tous les jours et ça ferait des cartons. Nous, on a plutôt pour l'instant pris euh, l'option de dire non, on va le faire avec celles et ceux qui ont fait une émission sur l'exposition Ramsès à Paris et avec eux, on va essayer de concevoir une vidéo qui peut être regardée sans le son, qui est encore mieux avec le son mais qui est au moins compréhensible de façon à essayer de commencer à intéresser les utilisateurs. Et puis surtout, on va aussi incarner, et on va essayer d'incarner avec de nouveaux visages, des visages qui ressemblent à celles et ceux qui utilisent ces plateformes. On a fait il y a quelques années, et, et je ne donnerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront, des vidéos avec nos chroniqueurs antennes, nos éditorialistes de l'antenne. Ils étaient face caméra, euh, cadrés à ces cours, et ils refaisaient leur édito de radio à l'antenne. Bah Évidemment, ça ne marchait pas beaucoup. Parce que, parce que quand on est un jeune qui est sur TikTok et qu'on a envie de comprendre pourquoi Amsterdam a décidé de dire aux Anglais arrêtez de venir, en fait, on vous veut plus, vous, comme touristes, tellement vous nous pourrissez la ville. Euh, entre l'éditorialiste politique qui explique les implications de ça et un jeune journaliste qui dit voilà. On va vous le montrer, on va vous faire des montages comme vous en avez l'habitude, avec des images qu'on n'a pas tournées mais qu'on a récupérées, qu'on a vérifiées, avec des choses comme ça. Et là, ça leur parle immédiatement, on accroche plus leur attention et au final, on donne la même qualité d'information parce que ce jeune journaliste est un journaliste de Radio France et il en a la qualité. Elle aussi est un journaliste, elle va aller traiter de cette actualité qui se passe sur les plateformes parce que c'est important, non seulement il faut adopter leur code, mais il faut essayer aussi de traiter l'actualité qui s'y passe. Il y a un monde parallèle à côté de nos médias, que sont ces plateformes et notamment TikTok, par exemple, sur lequel l'actualité n'a absolument rien à voir avec ce que vous verrez dans l'ensemble des médias. Et c'est hyper intéressant de s'y intéresser. Pourquoi d'un seul coup ce sujet monte On ne sait absolument pas quoi. Et généralement, quand le média traditionnel s'y intéresse, ça fait déjà un moment que c'est fait. Pour ceux, celles et ceux qui ont euh, je ne sais pas si, si on peut dire une chance, mais le, le, qui ont des enfants dans une école française en ce moment, c'est un enfer. À chaque fois que vous, que vous, que votre, que vous dites à votre enfant quoi Parce que vous n'avez pas entendu, voilà, il répond de quoi Coubé. Ça vous rend fou. Ça rend l'ensemble des instituteurs de France dingue. Et personne ne sait d'où ça vient. Parce que ça fait un an qu'il y a une espèce de défi d'un mec sur TikTok qui a inventé ça. Quoi Quoi Coubé. Et on a mis un an à comprendre d'où ça venait. Ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de gamins qui ont une mode qui a été lancée sur TikTok. Et nous, médias, je pense que j'ai entendu le premier reportage sur Kwakube cette semaine sur nos antennes. Et ça veut dire que ça fait des mois que ça tourne ça fait des mois que des parents ne comprennent pas pourquoi leur môme leur répond Kwakube Et donc, vous voyez, il faut à la fois adopter les codes, mais aussi savoir ce qui s'y passe. Donc, il faut avoir des jeunes journalistes. Je dis plutôt jeune parce que honnêtement, même moi à 45 ans, je n'ai pas envie de passer ma journée sur Snapchat et TikTok. Ça ne m'intéresse pas assez. Eux, ils ne se posent pas la question. Ça leur est aussi naturel que nous, nous, nous étions naturels à écouter la radio. Et il faut multiplier les essais. Il faut faire beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de tentatives. Je dirais qu'en dessous de 40 à 50 essais expérimentations par an, euh, on a peu de chances de trouver quelque chose qui marche. Alors si on, a, si on en fait 10 et qu'on trouve celui qui cartonne, bah, il faut vite jouer au loto parce que c'est vraiment un coup de chance. Euh, mais c'est minimum 40-50 formats qu'il faut essayer. On ne sait pas ce qui va marcher. N'écoutez pas ceux qui viennent vous dire, moi j'ai fait un carton avec tel ou tel format, je savais que ça marcherait, c'est pas vrai, ça on post-rationalise, on essaye plein de trucs, il y a quelque chose qui marche, on fonce dedans, mais on ne sait jamais à l'avance. Et il faut les multiplier. Il faut aussi aller sur TikTok quand on s'appelle Radio France pour la musique. TikTok est en train de profondément changer le rapport du public à la musique. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, j'aurais dû vous les mettre, ça aurait été plus amusant que moi de vous les décrire mais d'un concert d'un artiste qui a explosé sur TikTok l'année dernière, parce que sa musique était reprise pour tout le monde en illustration de ce que les gamins faisaient sur TikTok, sauf que sur TikTok, la plupart des vidéos durent 3 à 4 secondes. Et il a rempli des stades de concert pour ses concerts, sauf que les gamins connaissaient 4 secondes de sa chanson. Donc il a, il a entamé le couplet que tout le monde connaissait, on le voit tendre le micro, silence Personne ne connaissait la suite. Et ça, c'est en train de transformer le rapport à la musique. TikTok est peut-être en train de faire quelque chose qui est aussi important que ce que Spotify a fait dans l'industrie musicale. Et il faut donc essayer d'y aller pour comprendre ça et pour proposer de la musique. Y aller avec la première vidéo qui défilait, c'est-à-dire faire ce que font les gens quand ils parlent de musique sur TikTok. Mais y aller aussi pour faire ce que nous, on sait faire et qu'on sera sans doute les seuls à faire. Cette vidéo que vous voyez défiler, c'est un musicien d'un de orchestre, de, de, des orchestres philharmoniques de Radio France qui vient expliquer les instruments bizarres de la musique classique dont vous n'avez jamais entendu parler, parce que là, pour le coup, c'est assez précis, mais euh, qui sont utilisés dans des orchestres philharmoniques. C'est très simple, c'est plutôt drôle, ça a été vu un million de fois en une semaine, on ne l'avait pas du tout prévu, mais là, pour le coup, on est dans notre boulot d'aller leur proposer non seulement ce qu'ils attendent, mais aussi des choses qu'ils con qu ne connaissent pas, euh, et en essayant d'adopter leur code pour les, pour les, les pousser euh, à, à les regarder. Oh, pardon, je vais trop vite. Euh, voilà. Il faut aussi y aller pour investir les nouveaux modes d'interactivité. Dieu sait que quand on a une radio, l'interactivité, c'est quelque chose d'important. On a beaucoup, souvent, des émissions où on prend des gens au téléphone. Ben, une nouvelle forme d'interactivité, c'est Twitch, cette plateforme conçue au départ pour parler jeux vidéo, se regarder, faire des jeux vidéo. Je vais reprendre le joystick de nos camarades de tout à l'heure. Euh, et y aller en essayant de rentrer en interaction. Ça, ça veut dire que là, on commence à transformer la façon même dont on fait de la radio. Parce qu'il ne faut surtout pas y aller en faisant une émission de radio que l'on diffuse aussi sur Twitch. Parce que là, généralement, vous allez vous faire euh, euh, poliment mais fermement sortir parce que vous n'êtes pas en train de respecter les codes de cette plateforme et que ceux qui les utilisent n'ont pas particulièrement envie qu'on vienne leur parler. Si on y va, on doit adopter leur code. Donc on va faire autrement. On va plutôt faire une émission Twitch qui peut-être donnera un podcast ou pas, mais en tout cas, on va faire une vraie émission et on va faire quelque chose qui ne se fait jamais à la radio. Ce sont des émissions pendant lesquelles il y a des blancs. Il y a des blancs parce que Manon, qui est en haut à droite, euh, par exemple, va faire euh, 4 ou 5 secondes de blanc pour lire tous les commentaires qui sont à côté et pour leur répondre personnellement. à ah, X35, tu dis ça, d'accord, mais alors il faut que je t'explique. Et puis peut-être qu'en fait, au bout de 20 minutes, l'émission qu'on avait prévue, celle-ci était, je crois, sur les retraites, me semble-t-il, eh ben, elle va partir sur un autre sujet parce que la communauté a, décide, a envie de parler d'autre chose. C'est difficile, ça demande à changer vraiment les habitudes de la façon de faire de la radio, mais c'est hyper important parce qu'en plus... Ce qu'on va apprendre sur Twitch peut nous aider à faire des choses plus intéressantes aussi en radio. Euh, France Inter a lancé, justement, en, 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 en initiant de nouveaux modes d'interactivité, un podcast sur la psychologie qui s'appelle L'inconscient. Et on a voulu en faire un podcast interactif. C'est-à-dire que les gens peuvent intervenir avant le podcast, quand ils savent de quoi ça va parler, euh, pour poser des questions ou apporter des témoignages. Vous allez me dire, jusque-là. Tu es très gentil, mais enfin, ce n'est pas très révolutionnaire. Non, ce qui change, c'est la façon de le faire. Quand on fait de l'interactivité en radio, généralement, on met un répondeur, on donne une adresse mail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont un smartphone ils ne l'utilisent pas pour s'appeler ils se laissent des vocaux. Sur WhatsApp sur Insta, sur Telegram, ils se laissent des vocaux. Ça, moi, ça me rend fou quand je vois mes enfants faire ça, je dis pourquoi vous, vous appelez pas, ça irait plus vite. Non, ils se laissent des vocaux, des messages, comme tu as comme un répondeur, mais sur les réseaux. Eh bien, on a décidé d'intégrer au sein de l'application de la radio le fait que maintenant, si vous voulez nous parler, on vous envoie pas vers le 01 45 24 7000 comme fait Nicolas Demorand tous les matins, mais on dit, ben bah voyez, appuyez sur ce bouton et vous pouvez laisser un vocal jusqu'à 3 minutes qu'on utilisera peut-être dans le podcast ou pas où on répondra à votre question. Et puis évidemment, on ne s'est pas arrêté là, parce que ça nous a un peu travaillé. On s'est dit, mais en fait, quand on parle dans un vocal, on ne parle pas comme quand on est au téléphone. Et on ne parle pas comme dans un mail ou dans une lettre. Donc on s'est mis à essayer d'intégrer cette mode du vocal au sein même des contenus de podcast. À, droite, à gauche, pardon, vous avez Inside Kaboul, un magnifique podcast produit par Caroline Gillet, avec deux Afghans qui vont nous faire leur journal de bord depuis le retour des talibans, par message vocal, au moment où elles le veulent, quand elles le veulent, par vocal justement, sur le réseau qu'elles veulent. Et c'est beaucoup plus pratique et ça donne une narration absolument différente que nous n'aurions sans doute pas fait dans un podcast ou dans une émission de radio traditionnelle. Et puis, euh, on, on, on parlait d'animation tout à l'heure avec, avec nos amis de France 24. Bah ça a justement donné, avec un peu de chance, ça démarre. voilà, euh, Ça a pu nous permettre de l'adapter, ce podcast Inside Kaboul, euh, en vidéo, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, euh, en dessin, euh, et on a fait ça avec nos camarades de France Télévisions, et vous voyez comment au départ, à partir de ce qu'on apprend d'une plateforme comme Twitch, on commence à repenser l'interactivité et les nouvelles écritures de ce qui sera un podcast, puis une vidéo, puis des choses comme ça. Aller vers des nouvelles écritures, c'est aussi s'adresser à des publics auxquels on ne s'adresse pas d'habitude. À Radio France, on travaillait très peu le public des enfants parce que la radio n'est pas naturellement un, un, un média qui s'adresse aux enfants. Depuis quelques années, on a décidé de produire des podcasts pour les enfants. On a eu une chance formidable, c'est qu'on a décidé ça quelques mois à peine avant les premiers confinements liés au Covid. Et il se trouve qu'à ce moment-là, s'il y a quelque chose dont avaient besoin les parents, c'était des contenus à donner aux enfants pour les occuper sans qu'ils soient collés devant un écran. On a lancé Oli et les Odyssées, notamment, et toutes ces collections, qui sont maintenant vraiment des podcasts à destination des enfants, qu'on peut écouter en famille, mais vraiment à destination des enfants. Ça cartonne. Oli, qui est un podcast de contes originaux écrits par des écrivains qui ne sont pas des écrivains pour enfants, mais qui, pour le coup, se mettent dans cet exercice, est à 35 millions d'écoutes. Les Odyssées, que vous voyez sur, à côté, euh, le, la, première, euh, la, la première vignette est un podcast qui raconte les grandes aventures de l'histoire, de la mission Apollo 13 à la découverte euh, du sarcophage de, de, de Ramsès II, à, 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 à toutes les aventures qu'on peut imaginer. On en a aussi fait avec le musée du Louvre, est à 28 millions d'écoutes. Donc c'est vraiment un énorme succès. Et ça, là, on est content, c'est vraiment presque le Graal, parce qu'on est sur notre forme traditionnelle, c'est-à-dire de l'audio, ce qu'on sait faire, mais on va essayer de le faire à un public qui sera un jour notre public. Et en revanche, là, où on se rend compte que c'est très compliqué d'écrire pour un enfant. Ça demande beaucoup plus de travail que d'écrire pour un adulte. Vous n'avez pas de présupposé. Vous ne pouvez pas partir du principe que lui, il sait qu'on a marché sur la Lune et qu'Apollo 13, ils ont, été, ils ont été en galère. Il faut tout expliquer simplement avec une narration de façon entraînante. Et ça fonctionne quand il y arrive. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à essayer. Et puis, euh, je, je voulais faire le petit clin d'œil à nos camarades de la NHK, euh, puisqu'on a un podcast. Ça veut dire aussi, comme je le disais pour TikTok, aller s'intéresser à des thématiques qui ne passeront pas à l'antenne de votre radio parce qu'elles ne sont pas très grand public, mais qu'elles sont importantes pour les jeunes publics. Yamanote, le premier. Yamanote, c'est le nom de la ligne de métro qui la plus connue de Tokyo, et c'est un podcast qui s'intéresse aux mangas et aux animés. Bon, les mangas, les animés, c'est une mode. Quand on voit à quel point Netflix où Amazon se batte à coups de dizaines ou de centaines de millions pour acquérir les droits de diffusion de ces animés que sont l'attaque des titans et des choses comme ça, je peux vous dire que c'est beaucoup plus que ça. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est potentiellement invisible des, des, des médias traditionnels, et donc on s'intéresse à ça. On va aller travailler sur les questions de genre, on va aller travailler sur les questions d'identité sexuelle, d'égalité homme-femme, qui sont des sujets qui peuvent régulièrement venir à la radio, mais via le podcast et ses nouvelles écritures, on peut aller beaucoup plus loin, parce que si la radio parle à tout le monde, le podcast parle à chacun. C'est aussi faire évoluer, et je vous jure que j'en ai plus pour très longtemps, <laughs> nos formats habituels pour s'adapter aux usages qui naissent des plateformes. Tous ceux qui ont utilisé ici Netflix, Amazon ou Disney Prime, ou non, ou Prime tout court, Disney Plus ou Prime, voilà, euh, ont on, on, on subi un jour ou l'autre le, le, la dictature du binge, vous tombez sur une série que vous aimez bien, c'est dur de s'arrêter. Hein. Encore un épisode et je vais me coucher, et puis on en fait deux, puis on en fait trois, puis on en fait quatre, et puis ah, chez le lendemain matin, c'est dur. Et ben, ça a créé un usage, qu'on le veuille ou non, ça a créé un usage. En radio, on ne faisait jamais ça. On, avait allé, on allait avoir par exemple une série euh, comme celui que vous voyez qui s'appelle La Peste, qui provient d'une émission de radio très traditionnelle qui s'appelle La Série Documentaire. On allait faire plusieurs épisodes, un hein, diffusé le lundi, puis un deuxième le mardi, puis un troisième le mardi, puis un quatrième... Ben maintenant, non, on a changé. On a changé la façon de produire de façon à pouvoir mettre tous les épisodes dès le lundi, de façon à ce que les gens ne soient pas dépendants de nos contraintes de production pour écouter ce qu'ils aiment. Parce qu'après tout, si on en faisait un par jour, c'est parce qu'on avait nous choisi de produire comme ça. Vous aimez ce sujet, les quatre sont tout de suite disponibles, foncez. Et on crée de plus en plus de séries comme ça, de façon à ce que ça soit immédiatement disponible. Avant, une série comme Les Naufragés qui rencontre. Qui raconte les histoires vraies de grands naufrages à travers l'histoire. On l'aurait mise l'été, parce qu'on trouve que les naufrages, c'est un truc d'été, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on en aurait mis un par semaine pendant huit semaines, parce que ça fait une belle grille d'été. Et, et donc, le message qu'on passe aux, aux utilisateurs, c'est bah voilà, accrochez-vous, mais si vous avez aimé ça, euh, ça va durer huit semaines pour tout avoir. Non, maintenant, on met tout en même temps, de façon à ce que ceux qui aiment puissent plonger dedans et le binger non pas parce qu'on a envie de générer des écoutes en tant que tel mais surtout parce que c'est comme c'est leur usage et que c'est très très dur de dire aux gens pendant huit semaines revenez toutes les semaines vous allez avoir ils sont partis ils ont déjà une autre plateforme qui leur a proposé autre chose. Euh, c'est aussi adopter leur code dans des choses de marketing éditorial qui fonctionnent très bien sur amazon sur disney plus par exemple si vous avez l'année dernière raté le fait qu'il y allait avoir un grand documentaire Intitulé Get Back sur les Beatles, c'est que vous n'utilisez pas Disney, parce que c'était mis sur la page d'accueil non-stop pendant six mois avec une bande-annonce. Jamais à Radio France, nous ne faisions de bande-annonce de ce qu'on allait sortir. On faisait des teasers pour l'antenne quelques jours avant une opération, mais c'était tout. Aujourd'hui, on a maintenant sur l'application et la plateforme Radio France les annonces, les bandes-annonces. De ce qui va sortir six semaines en avant, et puis on change les visuels de façon à faire là aussi comme du Netflix, qui ne s'est pas fait avoir à recliquer sur une série en se disant ah il y a des nouveaux épisodes ah ben non ils ont juste changé le visuel bah ben oui mais vous êtes rentré dedans quand même et vous avez vu et vous étiez reparti sur Stranger Things alors que vous pensiez arrêter de la regarder. Euh, on commence à le faire aussi, on essaye de l'adopter le plus, mais là encore le plus efficacement possible pardon, mais là encore ce sont des, nouvelles, ce sont des nouveaux métiers. Quand on fait de la radio, on n'a pas beaucoup de graphistes. Ben là, il nous en faut beaucoup plus pour pouvoir travailler ça. Euh, on savait faire un teaser qui est destiné à des gens qui sont dans leur cuisine en train de faire autre chose, en train d'écouter la radio. Maintenant, il faut faire des bandes annonces de personnes qui ont choisi d'écouter la bande annonce et qui vont pouvoir décrire pendant 45 secondes ou une minute les huit euh, nouveaux épisodes sur la guerre en Ukraine ou sur, ou sur euh, Rose -Vallant. Donc, ça, ce sont vraiment des codes qu'il faut essayer d'adopter. Ça provoque de nouvelles écritures et même de nouvelles organisations. Et puis, nos amis nous parlaient tout à l'heure de la 8K. Ben moi, je vais vous parler de l'équivalent de la 8K en audio, c'est le son immersif. Ça aussi, revenir à des choses très poussées, justement, qui font pas forcément faire des écoutes par millions comme on l'a fait avec les podcasts pour enfants, mais qui vont nous permettre d'aller proposer quelque chose que aucun autre euh, concurrent ne va proposer. Spotify ne fera pas de son immersif parce que c'est techniquement complexe et qu'ils n'en sont pas du tout encore là. Et ça va être proposer un environnement sonore très spécial de son spatialisé j'imagine que vous savez ce que c'est et qu'on va adopter pour des concerts pour des créations musicales mais aussi pour des euh, séries de fiction écoutez une fiction qui est censée se passer par exemple dans le noir où il y a un petit peu de il y a un petit peu de suspense avec un son où on vous parle d'un seul coup de derrière la tête ou de devant je peux vous assurer que c'est très très efficace, à tel point qu'on a même fait un, un essai d'un podcast pour enfants, euh, pour ados, où on voulait un peu faire peur. On est un peu obligé de reculer, parce que moi je trouve qu'il fait même trop peur. Il est trop efficace, donc on va le réduire un petit peu. Et puis, il faut aussi tester en s'inspirant de codes qui ne sont pas des codes de médias. On regarde beaucoup les uns les autres ce que chacun fait. Euh, ça, c'est issu de l'accélérateur d'idées, il y a quelques jours à peine, euh, qui est donc une, une façon de faire de l'intrapreneuriat à Radio France, c'est-à-dire de dire, vous êtes salarié de n'importe quel métier, vous avez peut-être une super idée que nous, on n'a pas eue, allez-y, proposez. Et si ça arrive jusqu'au bout du processus, ben on vous aidera à le produire et on misera dessus. Ça, je trouve ça très très malin. C'est un travail à destination des jeunes sur la vérification de l'info, comment repérer une fake news. Sauf qu'au lieu d'en faire un énième format très didactique où on leur explique qu'ils ne regardent pas où il faut, il ne faut pas aller sur ceci, il faut regarder cela, ils vont le faire en escape game. Et c'est plutôt très malin. Et on a très envie de regarder comment on arrive à produire ça pour aller trouver une forme qui n'est pas une forme de média à l'origine, mais qui peut être un peu ludique pour ce public-là. Et. Voilà, je, je vous ai dévoilé la fin. Euh, et puis, il est encore un peu tôt pour vous en parler, mais évidemment, on travaille déjà à l'utilisation de ce que peut nous donner l'intelligence artificielle générative sur des formats, sur des nouveaux formats. Euh, et évidemment, on est en train de se demander comment on pourrait faire avec un chat GPT une fiction un peu sympa, euh, qui à la fois serait originale, parce que produite en partie par GPT, mais... Mais évidemment, expliquerait les problèmes que pose l'intelligence générative euh, dans ces choses-là. On travaille sur plein de choses. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que, si que si on continue d'aller euh, vraiment beaucoup sur les nouvelles écritures et les nouveaux formats radio, la radio va continuer à être the new cool, euh, et on a beaucoup d'avenir à condition d'aller là-dedans. Voilà. Excusez-moi du de, de temps. Un, deux. Merci beaucoup, Erwan. Alors, Erwan Gaucher, c'est à peu près la seule personne que je connaisse capable de faire en 15 minutes ce qu'il a prévu de faire en 20 minutes. Et que ce merci. soit en plus intelligible et audible. Très bonne articulation. Merci, Erwan. Merci beaucoup. Merci. Nous allons accueillir, euh, juste avant de partir manger, Nicolas Dubourg, qui est avec nous. Nicolas Dubourg. Voilà, merci beaucoup. Euh, avant d'aller de, de, <coughs> déjeuner, vous avez compris, on a tous été un peu décalés avec le démarrage décalé depuis le début. Euh, on va dire quelques mots sur la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture. Nous accueillons Nicolas Dubourg. Bonjour. Nicolas, euh, donc tu, tu es le grand, et vous êtes le grand coordinateur de cette candidature au niveau de tous les acteurs culturels. Mm -hmm. <coughs> J'aimerais que vous nous disiez un peu où on en est par rapport à cette candidature et euh, les éléments forts et saillants puisqu'on a passé le premier cap. Et on dira deux mots du festival France Bleu d'enfants, qui s'est complètement inscrit dans cette candidature aussi. Oui, ben merci, merci. Euh, je vais essayer d'être court parce que j'ai compris que voilà, la fin nous gagnait tous. Euh, Montpellier 2028, donc c'est la candidature de Montpellier pour euh, devenir capitale européenne de la culture. On était neuf villes en lice au premier tour. On a passé ce premier tour et nous ne sommes plus que quatre. On dépose un dossier de candidature qui sera présenté dans un jury au mois de décembre et donc on sera fixé le 18 décembre, juste avant Noël, si voilà, si ça se passe là en 2028. Alors un, un des éléments forts de cette candidature, c'est la jeunesse. Mmh. Donc, il y a eu déjà un certain nombre de propositions qui ont été faites par l'écosystème pour euh, cette candidature. Oui, alors euh, on, a, on a travaillé là-dessus et peut-être pour euh, m'adresser plus spécifiquement à vous, euh, une des grandes questions qu'on qu essaye de, de travailler finalement dans, dans cette candidature, c'est euh, quelque chose dont on discute depuis ce matin c'est ce rapport réalité-fiction. Euh, moi, je viens du monde du théâtre hein, et aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on peut dire beaucoup plus de vérité en racontant des fictions à condition de. De, de savoir qu'il les écrit, euh, que parfois en présentant des faits qui, dont, dont on sait qu'ils peuvent être totalement pervertis et servir à des récits qui sont... Euh totalement euh, euh, non seulement invérifiable, mais qui, euh, qui euh, colporte euh, beaucoup de, de mensonges. Donc cette question de l'articulation réalité-fiction, nous, on a essayé de, de, de penser les grands défis que va rencontrer Montpellier dans les prochaines années. Euh, des défis, bien sûr, autour de la mutation euh, écologique, des défis aussi autour de la démocratie. Euh, comment euh, résister aux vagues populistes qui, euh, qui euh, voilà, assaillent les, les villes et, et les territoires. Euh, et comment... À un à un moment donné, à partir de ces grands défis, euh, on essaye de trouver des thématiques communes. Et il se trouve qu'une des thématiques sur lesquelles on va travailler, euh, c'est la question euh, du transmédia, c'est-à-dire aussi comment euh, des artistes, quel que soit le domaine artistique dans lequel ils travaillent, euh, peuvent à un moment donné euh, s'inspirer travailler avec des méthodes qui ne sont pas directement celles euh, du, du, du travail artistique, mais qui peuvent être aussi des manières de euh, rencontrer euh, de nouveaux publics et d'écrire aussi euh, de, 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 nouveaux, euh, de nouveaux récits. Cette question-là, elle est fondamentale. On essaye aussi de la jouer avec euh, la, le monde de la recherche, parce qu'on pense aussi que les méthodes de la recherche scientifique euh, gagneraient. Euh, à rencontrer euh, euh, les, les méthodes de la recherche artistique. Donc, cette candidature, elle va être réellement au service de mettre en coopération des acteurs venus de mondes très différents. Donc, n'hésitez pas euh, à, voilà, à regarder un petit peu notre programme, euh, à rentrer en contact avec nous si euh, certains programmes euh, vous intéressent. Et pour euh, en venir à, à la question que tu me posais sur la question de la place de la jeunesse, on a aussi envie de travailler sur ce rapport transgénérationnel. Travailler avec la jeunesse, ce n'est pas simplement travailler pour la jeunesse, mais c'est aussi faire entendre comment, quand on s'adresse à un public spécifique qui n'a pas toutes les clés, ben finalement, on rend aussi accessible des, 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 des discours. On transforme un peu le discours de manière à le rendre accessible pour le plus grand nombre. Donc, on va travailler à cette chose-là euh, et on a. Euh, je, je, dit en quelques mots ce projet qui va être un projet phare, on l'espère, qui s'appelle l'Académie du Futur. Dans l'Académie du Futur, on propose de réunir des groupes de jeunes pendant une période assez longue, pendant 4 ans. Ils vont travailler à écrire, on est parti du concept de le futur en série, comment euh, écrire sur le futur en sachant que quand on parle du futur, tout le récit est tout de suite dépassé. Écrire le futur en 2023, mais on sait qu'en 2024, ce ce futur-là sera déjà vieux. Donc comment actualiser notre récit du futur Comment inscrire les narrations dans des logiques de série, euh, de manière à pouvoir faire retour. Et donc les inscrire dans une logique historique. Parce que sinon, on a l'impression que le futur fuit. On est toujours dépassé par le futur. Comment inscrire le futur dans une histoire Une histoire ou dans l'histoire Et ça, c'est important de pouvoir faire ce travail-là. Et on va amener ces jeunes à travailler sur la production de séries que ce soit dans le domaine audiovisuel, que ce soit dans le domaine du théâtre, du, de, de l'art lyrique, de la bande dessinée ou quoi que ce soit. Et en parallèle de ça, on souhaite organiser un forum européen de la jeunesse, et que je crois que c'est les discussions que nous avons en ce moment sur ce forum euh, qui peuvent être un, un lien euh, très fort entre finalement le monde des médias, de la radio en particulier, et euh, ce projet-là. Tout à fait. Alors on va peut-être illustrer avec quelques images le, le festival France Bleu à d'enfants. Je voudrais juste préciser que le lien entre la culture et la radio de service public est un lien très fort. Juste rappeler que dans les, les, les éléments forts, les valeurs fortes de Radio France, il y a informer, mais il y a aussi cultiver, éduquer et divertir. Et euh, pendant la pandémie, parce que Nicolas Dubourg est aussi directeur du, du théâtre La Vignette, mais aussi président du syndéac, le syndicat des, des scènes nationales de France, on s'était interrogé sur comment donner de la visibilité aux acteurs culturels, aux spectacles, puisque les salles étaient fermées. Et nous avons trouvé une idée qui a extrêmement bien fonctionné, c'était de dire, nous, radios, on va enregistrer des textes, des lectures, des propositions d'artistes, et les scènes nationales vont rémunérer ces artistes, donc ça leur garantissait aussi d'avoir un cachet. Donc ensemble, on a produit quelque chose qui était un produit radiophonique en permettant à des artistes de continuer à travailler et en continuant à faire vivre la culture sur notre antenne. Donc voilà, par exemple, une, une collaboration euh, concrète pendant une, une période de crise sur ce que la radio de saint publique peut faire avec la culture. Et puis là, ce festival euh, France Bleu a Autant d'enfants, c'est un, un festival que nous avons créé il y a maintenant trois ans avec le soutien de la ville de Montpellier, en partant de l'idée que le jeune public, euh, comme nous le savons tous, est au contact, comme nous l'avons dit, de tous ces supports de, de contenu et qu'il y a un vrai enjeu à les informer, les éduquer, les accompagner par rapport aux fake news, par rapport à l'information, par rapport aux contenus divers et variés. Et nous avons décidé qu'en parlant de l'audio comme moyen, nous allions pouvoir les faire rentrer dans nos univers, dialoguer avec eux et puis les instruire, les accompagner et leur faire faire le cheminement que nous faisons quand nous fabriquons par exemple un journal, un documentaire, un reportage. Et nous avons eu un véritable succès puisque nous avons réuni 450 scolaires, on a dû refuser des classes pendant deux jours, et 2000 personnes du grand public sur les deux journées grand public. Et ce festival, en fait, réunit euh, des gens des médias, mais réunit aussi des gens qui font de la musique, du son, des musiques concrètes, euh, des gens qui interviennent auprès des jeunes publics. Et cette année, nous allons faire une troisième édition, toujours accompagnée par la métropole, la ville de Montpellier, la région, avec aussi cette candidature. Et nous allons développer toute la partie, qui est la partie innovation, avec notamment l'année passée euh, le son immersif avec une tête binaurale pour expliquer comment euh, on contextualise un événement. Et puis, avec des créations cette année, nous allons continuer aussi dans l'innovation. Voilà, et on se disait que peut-être. On pourrait se rejoindre et créer la première école jeune public à hauteur d'enfants des médias, ici, dans le cadre de cette candidature. Donc voilà, maintenant, il y a tout à écrire et à construire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et merci. puis on croise les Merci doigts à pour vous. Que ça marche. Merci à tous. Bonne fin de matinée. Bon appétit. Bon repas. Et merci à tous les intervenants qui sont venus ce matin ici.